L'économie sociale, ça fait vraiment partie de l'ADN du Québec. C'est dans notre économie depuis plus de 100 ans. Ça a participé au développement de nos territoires, notamment les coopératives agricoles Desjardins, mais aussi les CPE ont permis la participation des femmes au marché du travail. C'est vraiment une partie intégrante de notre économie et pourtant, on n'en parle pas dans les cours d'économie. De plus en plus de gens se tournent vers une recherche de solutions et regardent l'économie sociale pour pouvoir garder un pouvoir local, mais aussi avoir des solutions qui sont inclusives, qui tiennent compte justement de l'environnement. Il n'y a pas plus local que l'économie sociale. Si on veut être capable de faire du changement dans notre société, ça va passer par l'économie sociale. Donc, d'accompagner ces projets-là, de suivre une formation dans ce contexte-là, c'est essentiel pour la santé de nos collectivités, pour le mieux-être du Québec au grand complet.